Coucou, bonjour à toutes et tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle voyance sur l'astrologie pour le signe Vierge pour le mois de décembre. Alors ce message est général, il ne parlera pas à toutes les personnes qui regarderont cette vidéo et qui est Vierge. Voilà, vous pouvez avoir un message, plusieurs petits messages, la totalité ou rien du tout, c'est tout à fait possible, ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui résonne pour vous, et puis si vous n'avez pas de message, et ben, le mois prochain, vous aurez peut-être un message pour vous. Voilà, ce message est général. Merci à toutes et tous de vos messages de bienveillance sur ma chaîne, merci énormément. Merci pour votre gentillesse et votre soutien. Pour les personnes qui arrivent, qui me découvrent, qui découvrent ma chaîne Will Voyance, bienvenue à vous. Si vous le souhaitez, vous pouvez tout simplement vous abonner si le cœur vous en dit. Ben, venez nous rejoindre, venez rejoindre la communauté, ce sera avec plaisir. Ne pas oublier la petite cloche sur toute notification pour recevoir les prochaines vidéos, les prochaines clairvoyances que je propose tout simplement. Allez, on va aller regarder un petit peu ce qu'on va nous dire pour vous, amis Vierge, pour le mois de décembre, pour ce dernier mois de l'année, voir un petit peu si on nous parle du travail, du côté cœur, familial. On verra un petit peu ce qu'on aura. Allez, on va déjà voir un petit peu à la coupe ce qu'on nous dit. Et puis, ça nous donnera un petit peu la tendance, la température de ce tirage tout simplement. Allez, amis Vierge, quel est le message s'il vous plaît en ce mois de décembre? Quels sont le ou les messages? Hop, allez. Allez, on est pas mal ici, à la coupe. On nous parle d'un homme. On peut nous parler de votre commerce, si vous avez un commerce, d'une entreprise, quoi. Tout ce qui est lié au commerce. On verra un petit peu si ça ressort. En tous les cas, un homme. On peut nous parler d'un commerce, d'une entreprise. Ici, on retrouve un homme. On peut nous parler d'un homme qui a un statut veuf, seul, divorcé. On peut nous parler d'un aspect juridique ou encore du médecin ici. On verra un petit peu ce qui en ressort tout à l'heure. Allez. Allez, on va mettre ce jeu en place, ce tirage, ce jeu de couverture, et puis je vais analyser un petit peu ce que je perçois, ce qu'on me dit, et puis je vais vous redonner les premiers éléments qu'on me donne, tout simplement. Allez, pour le signe Vierge, quel est le message, s'il vous plaît? Allez, on est parti. Je vous donne les premiers éléments dans quelques secondes. Alors, là, on nous parle de quelque chose d'inattendu. Quelque chose qui arrive, voilà, qui n'est pas prévu, un petit peu comme une surprise. On verra si c'est positif ou négatif. Surprise, inattendue, qu'est-ce que c'est, s'il vous plaît? Alors, on retrouve la séparation. On nous parle d'une séparation. Soit elle est là, soit elle arrive dans quelques temps. Une séparation, alors... professionnel, côté cœur, on va voir un petit peu ce qu'on nous dit à travers cette séparation. On nous annonce la mort, la fin de quelque chose. Alors ici, vous voyez, hein, c'est les premières cartes, quelque chose d'inattendu, voilà, qui n'est pas prévu. On pourrait avoir une séparation qui amène la fin d'un cycle ou la fin de quelque chose. On peut nous annoncer un décès aussi autour de vous, tout simplement. Alors, hop, on va continuer ici. On va voir, on va aller voir un peu plus loin si c'est par rapport à quelque chose au niveau du travail, côté cœur qui se termine. Ça peut être ça également. Alors, ici, comme je vous dis, on nous dit quelque chose d'inattendu auprès de vous. On retrouve la séparation, on peut avoir la fin de quelque chose, on peut avoir quelqu'un qui malheureusement décède dans quelques temps autour de vous, peut-être quelqu'un qui est malade tout simplement. On peut avoir une séparation aussi, on retrouve l'indépendance. Alors on peut avoir une séparation d'ordre professionnel également pour récupérer votre indépendance. C'est-à-dire que peut-être que vous avez des projets pro, mettant la fin d'un cycle, la fin de quelque chose, peut-être que vous travaillez dans une entreprise. Tout à l'heure, on a eu à la coupe, vous voyez, je vous parlais d'auto-entreprise, entreprise de commerce. Et bien ici, voilà, on pourrait avoir quelque chose qui se dirige dans ce sens-là, être indépendant, avoir sa propre indépendance
professionnel. En tous les cas, ici, voilà, on a une séparation qui est là, qui amène à la fin quelque chose. Voilà, vous avez peut-être perdu un être cher il n'y a pas longtemps, voilà, ça ressort. Si c'est un être cher qui est parti autour de vous il n'y a pas longtemps, ça ressort également dans ce tirage, c'est tout à fait possible. En tous les cas, ici, on retrouve quand même un événement, soit qui est proche ou qui vient juste d'arriver. Allez, on va continuer ici. On nous dit que c'est quelque chose d'inattendu, d'accord ? Allez. Alors, ok. Alors, ici, on retrouve un petit peu comme une réunion autour d'une table, des discussions. Alors, ça peut être des discussions avec la famille, avec des amis. On peut nous parler d'une discussion professionnelle, sentimentale ou familiale. On va aller voir. En tous les cas, réunion, discussion ici. Allez, hop. On retrouve de la correspondance. Donc on voit, on discute peut-être à travers les réseaux sociaux, la correspondance, le téléphone. En tout cas, on voit, c'est à travers de la communication. Et on retrouve ici, on peut voir une femme qui peut être veuve. Alors ici, vous voyez, on peut avoir, vous la consultante qui me regardez, et avoir perdu un être cher autour de vous. C'est tout à fait possible puisqu'on retrouve ici de la communication par rapport à une personne qui peut être veuve. D'accord ? Ça peut concerner cette personne, autour de cette personne également. Alors on verra ici, donc on voit des discussions autour de ça. Ici, on retrouve l'amour inconditionnel, l'amour autour de cette personne. En tous les cas, ici, on retrouve une femme. Vous pouvez, je vous le dis, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, quand je parle du féminin, vous pouvez mettre le masculin et le masculin au féminin parce qu'on est sur un tirage général, sur un signe astrologique. Donc voilà, si ce que je vous dis vous parle, résonne en vous, vous pouvez intervertir masculin ou féminin, il n'y a aucun souci. Allez, on va continuer ici. On retrouve l'aspect financier. Donc, on retrouve l'argent ici, et on nous parle d'un nouvel horizon. Alors, on voit qu'il y a quelque chose, qu'il y a une réunion, des discussions, ça peut être une discussion familiale, une réunion familiale autour d'une femme, voilà, qui malheureusement se retrouve soit là, ou soit depuis très peu, seule, avec ce statut veuve, et on retrouve de la communication certainement familiale autour de la famille, sur un sujet financier, d'accord ? Voilà, pourquoi, je ne sais pas, mais on nous parle d'un nouvel horizon, certainement, qui arrive. Alors, et on retrouve ici, vous voyez, je ressors le roi de cœur, donc vous le consultant, ça peut être votre époux, votre mari, votre petit copain, en tous les cas on retrouve quelqu'un proche ou votre papa. En tous les cas ici on nous parle de faiblesse, peut-être que ce monsieur, peut-être, ou cette femme, parce que je vous dis on peut intervertir, mais on voit qu'il y a quelque chose de conflictuel, quelqu'un qui aurait pu, qui est malade tout simplement, parce qu'on nous parle de faiblesse, ou qui a été malade et qui est parti, ça ressort ici, et on retrouve une personne, voilà, on retrouve la communication et des discussions autour de cette personne tout simplement, voilà, on retrouve les faiblesses, peut-être les faiblesses par cette tristesse, par ce décès, et tout simplement on nous parle de quelque chose en surprise d'inattendu, voilà, c'était peut-être pas, voilà, peut-être que cette personne était un petit peu malade, mais que ça allait, ou alors c'est tombé d'un coup. En tous les cas, on nous parle de quelque chose d'inattendu autour d'un homme de cœur, on nous parle de des faiblesses, peut-être de sa maladie, mais également des faiblesses de cette personne qui se retrouve seule, et c'était plutôt inattendu. Voilà le message ici. Allez, on va continuer. Okay. Alors, ici, sur le centre de ce tirage, ici, amie vierge, on retrouve la dame de cœur. Vous, la consultante, on peut nous parler de votre sœur, d'une amie sincère, de votre fille, de votre maman également. On retrouve des nouvelles. On nous dit en visite des nouvelles, mais il y a des tracas, il y a des contrariétés, des petits soucis. Voilà, ici, autour d'une dame de cœur. Allez, on va regarder un petit peu ce qu'on nous dit sur la suite de ce message. On retrouve la maison. Donc on nous dit il y a des soucis dans votre maison ou dans la maison de cette dame de cœur. Si vous, la consultante, ça correspond à votre sœur ou votre fille ou votre maman. D'accord ? Mais on retrouve le foyer, la maison familiale. Et on voit dans cette maison et dans ce foyer familial, on nous dit il y a des soucis, des tracas. Voilà, des petites contrariétés. Alors on retrouve la consultante. Donc on retrouve une femme qui est là. Hein.
et on retrouve un déplacement. Donc soit à travers un déplacement, ben, on trouve des petites contrariétés, ou à travers un déplacement de situation. D'accord ? On a vu que tout à l'heure, ben, je ne vais pas revenir dessus, mais on retrouve quelque chose, soit un déplacement physique ou un déplacement d'une situation. On ira voir un petit peu ce qu'on va me donner en élément complémentaire. Alors on voit ici, alors le vol et le perte, eh ben ça peut être la perte, d'accord, de quelque chose, ou le vol un petit peu de l'injustice, on me dit, un petit peu comme si un vol de situation. Je vous ai parlé d'un truc inattendu, un petit peu en surprise, ben ça peut être ça qui ressort. Voilà, on parle de vol, de perte. Alors ça peut être également par rapport à ce que je vous ai dit, ou à travers un petit déplacement, des contrariétés, un vol, soit une cible. Petit vol ou une situation. D'accord ? Encore une fois, prenez ce qui résonne pour vous ici. Alors, on parle de grandeur, d'accord ? Et ici, on retrouve un homme. Et puis, on retrouve ici, donc, un homme. On peut nous parler d'un homme, mais également de l'aspect administratif et juridique. Alors, ici, pourquoi ? Ben, on voit que les tracas, ça peut concerner un homme, mais ça peut concerner aussi dans la maison. Dans la maison, dans le foyer, par rapport à un événement. Hein. On nous parle d'un déplacement. C'est vécu soit par un vol ou un vol de situation. J'espère que je m'exprime bien. C'est pas trop évident. Je reçois beaucoup de choses là, et c'est pas trop évident. D'accord. Alors, on va continuer ici. En tous les cas, des contrariétés. Alors, ami vierge, on va continuer là-haut. On retrouve alors. Des soucis, on nous dit des nouvelles. En nouvelles, des soucis. On en a vu, hein, c'est peut-être ce que je vous ai dit, ou autre chose. On peut passer sur autre chose également. On verra ce qu'on nous dit. Malgré tout, il y a des soucis. Alors, soit des soucis, des nouvelles, ou des nouvelles qui amènent des soucis. Qu'est-ce que vous voulez me dire, s'il vous plaît? Alors, on nous parle de victoire. Ici, j'ai le triomphe. Alors. On retrouve les secrets autour d'un homme. Et on retrouve le destin. Vous voyez ici, je retrouve la destinée. Hein, la destinée, la clé du destin. Donc on voit qu'il y a des choses cachées. Hein, les secrets. Alors, on nous dit en nouvelles, vous allez peut-être apprendre des choses cachées. Peut-être par rapport à la famille ou autre, par rapport à ce que je vous dis, ou c'est complètement à part. On verra, on va finir le tour de cartes. Mais on nous dit en nouvelles, vous pourriez apprendre des choses qui sont cachées. Donc ça amène des petits soucis. Malgré tout, on nous dit qu'il y a la victoire sur ces soucis. Donc ça veut dire que sur les soucis que vous traversez en ce moment, eh ben, il y a, les choses s'améliorent dans quelques temps. On retrouve la victoire tout simplement autour. Ça peut être la victoire autour des soucis, mais peut-être ces nouvelles sur des soucis, on nous dit bah les choses s'arrangent tout simplement ici. Alors on va continuer ici. Hop, et on retrouve une femme, et là, bon, à travers la rencontre, c'est pas la rencontre d'une personne, mais c'est la rencontre ici. On nous dit en nouvelle à travers une rencontre. Alors, soit on nous dit à travers une future rencontre, mais c'est pas ça. Non, non. C'est les choses qui sont cachées. Les choses qui sont cachées, d'accord. Les choses qui sont cachées vont peut-être ressortir, et c'est plutôt une victoire pour vous autour d'un homme, ou par rapport à un homme, d'accord. Des choses cachées ici. Et en nouvelle, eh ben, peut-être quand vous allez apprendre ça, les choses cachées, peut-être que ça vous a apporté des solutions, il y a peut-être des choses qui sont en attente. En tous les cas, sur les choses cachées et les soucis, il y a une victoire. Voilà ce que je peux vous dire. Donc, les choses s'arrangent. Ici, un peu plus haut, on me dit quoi ? Eh ben, ici, on retrouve quand même... Alors, je retrouve ce... On me dit, hein, surprise, inattendu, quelque chose d'inattendu, on retrouve un homme. On peut nous parler d'un éloignement, donc ça veut dire qu'un homme qui peut être loin, qui est parti, d'accord, l'éloignement ou loin géographique, on verra ce qu'on nous dit. On peut nous parler d'un militaire également, on nous parle de quelque chose d'inattendu, hein, un petit peu comme quelque chose qui arrive, voilà, c'est pas, on ne s'attend pas à ça, et on nous dit qu'il y a une certitude sur ça, la certitude d'un éloignement d'un homme ou d'un homme qui est loin, plutôt prévu, inattendu. Hein. Alors, on peut nous parler d'un ami ou d'une amie. Alors, ça peut être un ami ou une amie pour vous. Ici, on retrouve bah, une personne qui est chagrinée, vous voyez, qui est en pleurs par rapport à cet éloignement. On nous parle d'un éloignement. Alors, qui amène bah, des ennuis. Et du mouvement. D'accord. Alors ici,
On nous dit, dans votre maison, dans votre foyer, ça peut être pour un ami ou une amie autour de vous, que ça peut correspondre aussi. On voit qu'il y a du chagrin qui est là, mais on retrouve un événement qui arrive. On nous parle d'un événement qui arrive dans les 6 mois, une invitation. Hein, une invitation, on nous parle de mouvement. Alors l'invitation, ça peut être une invitation à vous apporter du soutien, à vous aider. En tous les cas, il y a certainement un ami ou une amie par rapport à du chagrin, des ennuis, quelqu'un qui va vous soutenir. Hein, cette invitation, c'est cette invitation à vous aider, à apporter de l'aide dans votre maison, dans votre foyer. On retrouve le mouvement. On retrouve quand même quelque chose... pas trop loin, d'accord, c'est pas trop loin. C'est là on retrouve un événement qui arrive quoi dans les 6 mois, d'accord. Donc ce que je vous ai dit, ben peut-être que c'est en attente, mais il y a quelque chose qui arrive. Et puis peut-être ben que les ennuis par rapport à des choses autour de vous, il y aura quelqu'un qui viendra vous soutenir ici parce qu'on retrouve cette invitation ici, un petit peu inattendue. Ici on nous dit quoi? Alors on retrouve l'aspect professionnel, on nous parle du travail sur ce message là autour d'un homme, et puis on retrouve alors un homme qui peut alors on retrouve cette carte qui voilà, c'est pas forcément une belle carte, ça peut être un homme qui se fait trahir ou la trahison d'un homme, des mensonges, de la malveillance, on peut retrouver des problèmes de santé également. Alors on va aller voir ce qu'on me dit ici. Je vous fais voir les 3 cartes du 32. Alors on ne nous annonce pas des bonnes nouvelles hein, à travers cette clairvoyance. Il y a beaucoup, on voit, hein, c'est beaucoup conflictuel quand même. Alors, ici, je vous fais voir les 3 cartes et on va les voir ici. On retrouve le retour. Ah, alors, on retrouve le retour d'un contrat. J'en ai pris 2, vraiment, ben, c'est le pur hasard. Ici, on retrouve donc quelque chose de retour professionnel. Peut-être que quelqu'un a eu des problèmes de santé ou a eu la pression de se faire trahir sur le plan professionnel. On nous parle d'un homme, on retrouve le retour d'un contrat. Alors peut-être que quelqu'un ben, est en colère hein, sur le plan professionnel, il a peut-être travaillé pour une entreprise et puis il était en attente, mais en tous les cas il y a le retour, il y a un contrat qui arrive ici. Hein. On retrouve le retour, la poignée de main, négociation et de conciliation autour d'un travail. On nous parle de tout ce qui est lié à l'administration ici autour d'une signature. Alors, regardez, voleur, je vous parle de trahison, mensonge. Est-ce que c'est quelqu'un, cet homme qui s'est fait trahir sur un plan professionnel, qu'on lui a promis des choses et puis qu'on n'a pas tenu les engagements? En tous les cas, on retrouve le vol. D'accord, on retrouve bien, soit c'est cette personne ou soit il y a un vol autour de cette personne. Ça peut être le vol, c'est pas forcément se faire voler quelque chose. Le vol d'une situation, quelque chose qui... Voilà, on vous promet des choses et puis il n'y a rien qui se passe. D'accord ? Ben là, il y a un retour de quelque chose sur le plan professionnel. Alors, est-ce que c'est le retour moi, pour moi, il y a le retour sur un contrat. Alors, est-ce qu'on nous parle de trahison sur son contrat ou par rapport à une trahison, il y a le retour. On verra si on m'annonce quelque chose de positif derrière. Alors, on nous parle de la ville. Hop, on retrouve la chance. Alors, vous voyez, ça répond à ma question. La chance, ça veut dire que bah, peut-être que vous avez vécu une trahison sur un plan professionnel. En tous les cas, il y a un contrat qui arrive à vous. D'accord ? Il y a une signature qui arrive à vous. C'est plutôt positif sur ce message. Voilà, ça fait du bien d'avoir des choses positives. On a vu tout à l'heure, bah, c'est comme ça. Hein. Je pense ce qu'on me dit, ce que je dois vous dire. En tous les cas, voilà, on retrouve le début de tirage un peu conflictuel, malheureusement. Ici, on nous parle d'un retour plutôt vers la chance sur le plan professionnel, ici, pour cette personne, pour les personnes qui sont en attente de ce que je viens de dire. Bah, regardez, on retrouve bien la signature. Il y a une signature qui arrive sur le plan administratif. Hop. Et on nous parle d'union. L'union, bah, l'union, un contrat union avec une entreprise, ça peut être aussi, on avait tout à l'heure, on parlait, on avait eu cette entreprise, on avait, vous avez vu, indépendance. On a plusieurs messages. On a plusieurs messages dans ce tirage. Ici, ça peut être à travers une union professionnelle, vous unir donc en tant qu'ouvrier ou ouvrière à travers l'entreprise, mais on peut nous parler d'union, c'est-à-dire peut-être que vous êtes en projet, peut-être que vous voulez vous associer. Union, bah, c'est s'unir à quelqu'un. Et peut-être que cette personne vous avait trahi, tout simplement. En tous les cas, on retrouve une signature qui se fait dans quelques temps. On nous parle d'union, quelque chose qui arrive en rapidité quand même. On nous parle quelque chose qui arrive en rapidité. Donc si vous attendiez et que vous tombez sur cette vidéo, eh ben, il y a de grandes chances que votre contrat, votre signature arrive au bout. Voilà, on retrouve la malhonnêteté. On voit bien qu'il y a eu de la malhonnêteté autour de vous. On nous parle de quelque chose de malhonnête, le voleur. Voilà, trahison. Voilà, on voit qu'on vous êtes fait un petit peu avoir et un petit peu... pas berné, mais on voit qu'on a abusé de vous.
et retrouve l'aspect financier. Ça peut concerner aussi l'aspect financier. Hein, ce que je vous parle, la procédure, et également sur les papiers et le retour. Allez, je regarde le temps. C'est bon, on est dans le timing. J'essaye de ne pas dépasser 25-30 minutes parce qu'après, ça fait long. Et puis, j'ai quand même 12 vidéos à faire, 12 signes astrologiques. Donc, sur 25-30 minutes, c'est bien. J'essaie de me tenir à 25-30 minutes en fonction de ce qu'on a à me donner comme message à vous transmettre. Ici, on retrouve quoi ? Ben, on retrouve une proposition, une signature sur des papiers ici. Ça me fait sourire parce qu'on a la continuité et puis c'est plutôt positif. Je suis content pour vous, pour les personnes à qui ça parlera et qui sont en attente et que ça va se réaliser. Ben, je suis content pour vous, tout simplement. Ici, on retrouve la route. Ben, certainement, peut-être un déplacement sur une proposition et une signature en attente ou un déplacement d'une situation encore une fois. Allez, qu'est-ce que vous voulez me dire en complément, s'il vous plaît ? On retrouve l'enfermement. Ben, certainement, ce que je vous disais tout à l'heure, certainement que ça durait depuis un petit moment où vous menez en bateau. En tous les cas, on trouvait quelque chose qui était fermé, cloîtré, figé, qui n'avançait plus. Hein. L'enfermement de la situation, tout simplement. Et ben, ça se débloque. Hop. Alors, dans la maison, dans votre foyer, là on retrouve une femme, bah, ça peut être l'enfermement autour d'une femme. Encore une fois, on est sur un tirage, c'est pas un tirage personnel, on est sur un tirage général sur le plan du signe astrologique vierge, donc voilà, homme ou femme, d'accord. Ici, les nouvelles, comme je vous dis, des nouvelles qui débloquent cet enfermement, on arrive sur un contrat, une signature qui emmène plutôt du bonheur, de la joie. Que vous allez voir, travail, ça représente le travail ici, d'accord. Donc voilà, il y a un contrat qui arrive pour vous si vous êtes dans cet enfermement, que vous vivez ça. Il y a une signature qui arrive sur le plan professionnel, mes belles âmes, amis vierges. Voilà, on garde le moral, les choses vont bouger. Hop, moi je veux celle-là, et on retrouve la clôture. Ben oui, on va clôturer cet enfermement pour aller de l'avant, pour aller vers les jours meilleurs, tout simplement. Hop. Et on retrouve ici cette femme. Peut-être qu'il y a eu une femme qui a amené ce conflit autour de vous sur cet enfermement. On parle de rivalité, de jalousie, de conflit, de femme fausse, de femme un peu légère. Voilà. Si ça vous parle, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire. Voilà, vous n'êtes pas obligé de rentrer dans les détails, mais ça fait toujours plaisir d'avoir un retour sur mes consultations que je vous fais comme ça, hein, sur du général comme ça. Ça me permet d'avancer aussi pour vous. Et puis, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Donc, n'hésitez pas à faire vos retours si ça vous parle. Et puis, pour les personnes que ça ne parle pas, eh ben, soyez patiente et patient. Parce qu'on ne peut pas... Vous voyez, là, on a une signature. Tout le monde n'est pas dans l'attente d'une signature de travail. Et puis, on a eu des choses un petit peu compliquées en début de tirage. Ben, vous voyez, ça n'a pas non plus à correspondre à tout le monde. Donc, soyez consignant avec vous-même. Voilà, les messages arriveront au fur et à mesure comme ça doit arriver, tout simplement. Allez, on continue. On est dans le bas de ce jeu de couverture. Le dernier message avant de clôturer cette clairvoyance ensemble. Amis vierges, ici, on nous dit quoi ? Eh bien, on retrouve quand même une femme. On peut nous parler d'une femme qui est seule, veuve, divorcée. On peut nous parler de quelqu'un par rapport à l'administration, tout ce qu'il y a à l'administration. On retrouve ce valet de cœur, votre fils, frère, ami sincère, votre beau-fils, votre cousin, voilà, quelqu'un proche de vous. Ici, on peut nous parler de la jeunesse, ici, et là, on nous parle de réussite. Alors, vous voyez, c'est un petit peu fouillu, d'accord ? Voilà, on va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit derrière pour rétrécir tout ça et vous donner un maximum d'informations. Allez, on est sur une projection un peu plus loin, là. On est hors décembre, c'est sûr. Je le sais que c'est hors décembre. Allez, hop. On retrouve la carte des rêves. Allez, hop. Les querelles, le conflit, les disputes. On retrouve la séparation. Et on retrouve l'automne. Alors moi, pour moi, la séparation, on en a parlé tout à l'heure, il y a quelque chose qui se termine, on retrouve quand même la carte de l'automne ici, hein. Donc on y est encore, hein. Sur le mois de décembre, ce début de décembre, on est encore en automne, donc vous voyez ce que je vous dis, il y a quelque chose qui est là ou qui vient d'arriver, on nous parle de la fin de quelque chose ici, et on retrouve des disputes et les querelles peut-être par rapport à ça, en tous les cas, ou après ces querelles, parce qu'ici je sais que c'est un peu plus loin, donc par rapport à cette séparation, certainement les querelles, le conflit, il y a certainement quelque chose qui arrive. Alors, on retrouve les découvertes. On avait aussi des choses cachées.
Ouais, on retrouve la joie. Bah oui, hein. Suite à des querelles, et puis à une séparation, à un conflit hein, autour de vous et vous-même, on retrouve la joie. Et là aussi, dans quelques temps, sur cette colère intérieure, voilà, va falloir du temps pour effacer ça, effacer les blessures. Voilà, faut le temps que tout ça se cicatrise, mais on retrouve la joie. D'accord ? Donc voilà, bon, on est vraiment dans un mois de décembre, pour certaines personnes qui, voilà, c'est compliqué. D'accord ? Voilà, amis vierges, n'hésitez pas, donc, à partager cette vidéo auprès de vos proches, vos amis, votre famille. Ça permet à d'autres gens de connaître la chaîne. Ça me permet de me faire connaître aussi un peu plus auprès de vos proches. Et puis, il y a peut-être des messages ou des situations qui parleront. Tout simplement, n'hésitez pas à partager si vous le souhaitez. Et puis, pour les personnes qui le souhaitent, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pour une prestation. Si vous voulez une prestation personnalisée à titre privé, je serais ravi de vous éclairer sur votre chemin de vie. Alors, je consulte ici hein, en Bretagne, au Changerot, à côté de Dinan. Pour les personnes qui connaissent un petit peu Saint-Malo, Rennes, vous voyez, je suis entre tout ça. Et puis, je consulte également par téléphone dans toute la France, à l'étranger, dans les dom-toms, et en visio sur WhatsApp pour les personnes qui préfèrent en visio. Après, en visio, c'est sympa aussi pour les personnes. Ça permet, voilà, je peux vous appuyer sur les tirages, vous faire voir des choses à travers les tirages. N'hésitez pas, vous tapez Will Voyance dans Google. Vous trouvez toutes les informations sur mon entreprise. D'accord, toutes les prestations et tarifs que je propose, de nombreux témoignages. Vous pouvez prendre rendez-vous en ligne également, ou m'appeler si vous préférez m'appeler pour prendre rendez-vous, mais vous avez la possibilité de prendre rendez-vous en ligne directement. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre, mes belles âmes? Je suis également thérapeute, magnétiseur, énergéticien. J'interviens sur les douleurs physiques, émotionnelles, les traumatismes, les brûlures, certains problèmes de peau et plein d'autres. Je ne vais pas tous énumérer, vous allez retrouver de nombreux témoignages sur mon site internet Will Magnétiseur, de personnes à qui j'ai pu aider, des personnes qui me font confiance. Voilà, allez voir, il y a pas mal de contenu. Je travaille ici au cabinet, mais également à distance sur photo. Alors voilà, si vous avez quelque chose, peut-être que je pourrais vous aider. D'accord, allez voir. Et puis si vous avez une interrogation, besoin d'un renseignement, je suis là, vous m'appelez, et puis je serai ravi d'essayer de vous répondre, de vous éclairer sur votre problématique. Pour les personnes qui le savent, j'ai une boutique de lithothérapie qui s'appelle Univers With Boutique. Vous tapez dans Google Univers With Boutique. En dessous de cette vidéo, je mets tous les liens épinglés en commentaire sur ma chaîne YouTube. Je suis sur tous les réseaux, sur beaucoup de réseaux sociaux, pas sur tous les réseaux, pas exagéré, mais vous me retrouvez sur TikTok, Facebook, c'est les deux plus gros avec qui je travaille en fait sur mes réseaux sociaux, TikTok et Facebook. Voilà, vous pouvez me rejoindre également là-dessus si vous voulez. Sur la boutique, cette boutique elle est en promo jusqu'au 15 décembre. Profitez des offres de Noël si vous souhaitez vous faire plaisir, vous faire un petit cadeau, faire plaisir à quelqu'un. Vous pouvez aller faire un petit tour, hein, faites une petite visite, ça vous engage à rien. Vous cliquez sur le lien, vous faites le tour et puis voilà, laissez votre cœur parler tout simplement. Il y a des bijoux, il y a des bracelets. Il y a des plaques en rechargement, j'ai des bougies, j'ai des neuvaines, j'ai des lampes de sel, il y a énormément de choix, n'hésitez pas à les faire un petit tour. 25% sur tout ce qui est bijoux, que je dis pas de bêtises, des bracelets comme ça, comme je porte, il y a 25%, et puis il y a 10% sur l'ensemble de la boutique. Donc n'importe quoi que vous prenez sur la boutique, vous avez 10%, donc profitez, si vous avez un achat à faire, et bien profitez, je serais ravi de vous envoyer votre commande. Voilà, et bien écoutez, moi je vais vous souhaiter, amis vierges, une belle journée, une belle soirée en fonction de quand vous tombez sur cette vidéo, un bon mois de décembre, de bonnes fêtes de fin d'année, vous et vos proches, prenez soin de vous, surtout, vivez le moment présent, c'est important hein, de vivre chaque moment présent. Vivez pas dans le passé, essayez de vivre le moment présent et pas non plus trop dans le futur. Laissez faire les choses aussi. Hein, et puis, vous allez voir, ben, ça ira beaucoup mieux. Voilà, et ben écoutez, moi je vous embrasse toutes et tous. Je vous dis à l'année prochaine pour les personnes qui me suivent que pour les astrologies. Et puis, ben, pour ceux qui me suivent, ben, il y a les messages du jour, hein, tous les jours, les énergies du week-end. Il y a l'actualité des canalisations médiumiques. Voilà, pour les personnes, ben, si c'est la première fois que vous me découvrez, je vous propose quand même un éventail assez large, tout simplement, pour faire plaisir à un maximum de personnes et puis diversifier aussi le contenu de la chaîne. Voilà, et bien écoutez, prenez soin de vous, passez de bonnes fêtes de fin d'année, on se retrouve très très vite. Je vous embrasse. Bye bye.